Je n'avais jamais osé aller aux France. Je n'y connaissais personne et mes copains ne voulaient pas y aller. J'attendais d'être vêtu correctement pour essayer de m'y faire admettre. En attendant, nous étions tolérés au 89. Le matin, on arpentait le marché, les yeux rivés au sol dans l'espoir de trouver un portefeuille bien garni. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ouvre l'acier. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Rien. Quel salaud, il aurait quand même pu te garder, hein ? D'ordinaire, il y avait toujours quelqu'un pour mettre un disque. Vous êtes pas chic. Pour une fois que je vous demande quelque chose. Pendant quelques jours, on avait cru pouvoir s'offrir un 2 Folcôtes pour Noël. Mais la fin de l'année approchait, nous n'avions ni argent ni travail. Les après-midi, c'était le 89. On attendait la semaine de Noël pour gagner un peu d'argent en distribuant les cartons de loto, jeu qui se pratique chaque année dans les grands cafés de la ville. On était là quand il est entré. Je le connaissais pour l'avoir vu le dimanche photographier les promeneurs sur le pont. Nous l'avions remarqué pour ses costumes, car il était un des rares types à Narbonne à savoir les porter. Nous allons commencer la première partie à Kine. 2 cartons 50 francs, 4 cartons 100 francs pour la belle d'Inde. Attention, attention, au premier. 89, c'est le premier. 81. 44. J'étais inscrit pour le loto. D'après mes calculs, j'aurais un peu de temps. Je pourrais faire le réveillon du premier de l'an avec Martinez qui me l'avait demandé. 72. 75. Boum boum. 37. Et un coup de peau. Ah, ah. 70, 70. Ça se paye, ça. Vous avez... 20, sans eau. Ça dépend quel genre, ça va être. Et droit en champagne, le carton est bien bon, vous pouvez les marcher. Minuit, les meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour vous et vos familles. Merci.